Rebonsoir peuple de YouTube, FF6 best jeu, non pas FF8, on s'en rendra compte très très vite lorsqu'on fera FF10, calmez-vous. Cette musique est juste incroyable. Juste incroyable. Pouette, pouette, pouette. Pouette, pouette, pouette. Ah, c'est vrai que j'avais pas mis le béret vert après. Tout, 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 tout. Je crois pas qu'il y ait de nouveaux mobs dans la zone. Du coup, je peux juste aller à la falaise tout de suite. Les chutes de Barren qui ont qui ont la fâcheuse réputation de prouver aux joueurs que Shadow est très lucide. Shadow qui comprend rapidement qu'on est sur point de faire de la merde. Et il va pas tarder à se barrer. Ça doit être les chutes de Barren. Velt est situé au sud d'ici. C'est une contrée dangereuse où habitent des créatures féroces. L'Empire nous poursuit. Nous devons aller de l'avant. Le village de Mobile est situé sur la côte est. Si nous parvenons à traverser le Velt, nous devrions nous y rendre. J'ai accompli ma tâche. Shadow, merci pour ton aide. J'espère que nous pourrons à nouveau voyager ensemble un de ces jours. Shadow qui se barre. Je sais pas s'il faut, mais je vais déséquiper le stuff de Shadow. Je sais plus si c'est nécessaire dans le jeu, dans le doute, faisons-le. Parce que Shadow n'est pas souvent dans la team. Et oui, Shadow qui se barre, pas pour une raison quelconque. Hein. Shadow qui comprend, ah bah en plus il a le Grand Genji. Kimono casse Kunai, ça je peux lui laisser, c'est pas grave. Les autres ont mieux, non? Écoute, tout retirer, de toute façon tu te barres. Donc ils sont en train de discuter de se barrer vers l'île près de l'arc-en-ciel là-bas. Et donc c'est pour ça que Shadow, ils vous disent salut. Hein. Parce que ils sont un peu débiles, plongés dans les chutes. Bien sûr, plongés dans les chutes, on a que ça à foutre. On a vraiment pas de cerveau. FF6. Donc ici c'est très intéressant, si on continue à tuer, si on tue les piaves jusqu'au bout, eh bien ce qui va se passer c'est simplement qu'ils vont continuer à respawn jusqu'à ce que le boss apparaisse à un moment donné. Kadi Piranha qui nous attaque, on se croirait dans Final Fantasy. Donc on va en tuer un, on va faire defend avec Saiyan. Et maintenant on va rester dans un menu et on va simplement attendre. On va quand même en tuer un autre. Ça aide rapidement un ennemi. Visiblement ça veut taper les deux, je sais pas pourquoi. Mais arrête de tuer! Ah bah de toute façon il a pop. Alors, on va l'accueillir avec du lourd. Pourquoi pas Tora? Allez, j'ai jamais vu Tora encore. Hop. C'était de la merde de faire Tora visiblement. Hop. Ah bah voilà. On va faire un épisode putain. T'inquiète, bientôt on va faire FF8 et on pourra en discuter. FF8, pire FF, Ever System de merde, histoire de merde, héros de merde, comment il abuse. Mais y en a ils tiennent. Faut faire attention, y'en a ils tiennent beaucoup FF8 dans leur cœur. Mais moi j'ai hâte de le refaire pour un petit avis. Donc ouais, bien entendu Sabine qui finit à la dérive. Sabine c'est un peu, quelque part Sabine c'est un peu Adol. Hein. Sa manière à lui d'être Adol. Ouais, Squall par contre c'est vrai que c'est compliqué. Mais quelque part les gens s'ils aiment bien FF8 c'est juste parce qu'il y a une romance avec une Asiate, hein, faut être honnête. C'est un peu un jeu d'adolescent. Quand tu le fais et que t'es encore jeune, moi je peux comprendre que ça te touche. Moi je l'ai fait, j'étais pas si jeune que ça donc ça m'a pas... La petite histoire d'adolescence, c'est pas trop dire. Mais par contre quand j'étais petit moi et qu'il y a eu les Harry Potter par exemple, le fait que ce soit un truc d'école et d'étudiant, forcément ça te parle beaucoup plus, tu vois. Donc ça dépend aussi de l'âge qu'on a et tout, tu vois, c'est important. Hein. C'est important. Un enfant sauvage, habillé de peau de bête, ses yeux brillent d'intelligence. Gueule, écoute, c'est la vérité.
C'est une histoire d'adolescent, FF8, faut pas... Pas commencer à... On va pas réinventer la roue, tu vois. Mais c'est pas grave, hein. Moi, FF6, vous pouvez tous dire que Kafka, c'est un clown, hein. C'est la vérité. Mais qu'est-ce qu'il est marrant. Qui ? Ego se bat. Donc le mec vient nous aider, mais tout de suite il stresse un peu. Go qui est un peu un enfant sauvage, on va dire, un peu sur le côté. Poum 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 poum. Est-ce qu'il y a des mobs à récupérer ici? Je sais pas, mais je sais qu'on peut récupérer Go. Je pense qu'il y a un bestiaire spécifique, non? Pourquoi une attaque surprise? Tout le temps des attaques surprises, frère. Même honnêtement, même la musique de Azo, je l'aime bien. Un peu différent. FF8 baisse des baisses même aujourd'hui. Toi, tu parles trop avec le cœur, ça se voit. Faut savoir faire abstraction, hein. Et donner des arguments, parce que juste dire c'est le best, c'est difficile, hein. Poum poum, poum poum poum. Ouais, j'essaie de t'aider, mais tu t'enfonces, hein. À chaque fois, dire c'est le best, hein. J'essaie de donner des arguments, oui, peut-être, l'âge dépend et tout, mais en vrai. En vrai, c'est compliqué quand même. Ça a descendu les chutes de Barène. Incroyable, en débit est si élevé cette année. Personne n'a pu atteindre notre village récemment. Ça vous coûtera 100 gil pour une nuit. Voleur, je vais activer le I. Ça, je vois un peu s'il y a des objets. Oh, bon, arrêtez la petite guerre là. Faut. C'est quelque part, si on fait l'arc Final Fantasy, c'est pour regrouper tout l'amour des Final Fantasy. Pour le moment, tout le monde doit partager l'amour de Final Fantasy 6. Et on pourra mal parler des autres quand ce sera leur tour. Mais en tout cas, préparez-vous. Si vous aimez tant FF que ça, préparez-vous. Car quand on le fera, ce sera le moment de lâcher les arguments et nous dire t'as vu là c'est trop bien. Comme ça on se rappelle et on pourra avoir les arguments au moment venu. Les pigeons voyageurs sont notre seul moyen de communiquer avec le monde extérieur. Parce que pour être honnête moi, si on devait compter Final Fantasy XIV comme un Final Fantasy, c'est quelque part le meilleur. Ils ont tout niqué avec Shadowbringer et Endwalker. Mais bon, est-ce qu'on peut comparer un jeu de 30 heures à un jeu qui a mis 10 ans à mettre son histoire en place? Non. Mais certains diraient que oui, tu vois. Mais en vrai, tu peux pas comparer. C'est incomparable, en vrai. Final Fantasy a la chance d'avoir mis son setup toute sa vie. Je viens de retirer tout le stuff comme un connard. Nice. Boucle magique. Je crois que j'avais ça, ouais. Comment ça? On peut pas mettre par défaut. Ok, d'accord, let's go. J'ai acheté deux... J'ai acheté deux griffes en pensant que par défaut, il peut en avoir deux parce qu'il est moine, et en fait, non. Non, FF14, c'est un jeu de Sias, mais ça reste le meilleur final, ça reste le meilleur Final Fantasy, quand même. Si on le compte comme un principal, ce qui n'est pas réellement possible. Vu que c'est un MMO. Pour moi, c'est pas faisable parce que c'est trop facile de donner 2000 heures de jeu à quelqu'un pour faire une histoire de fou. Forcément, il en fera une meilleure qu'un mec qui est à 60 heures. Armure de fer. Moi, je vais prendre une de chaque. Moi, je suis un mec du une de chaque, moi. L'autre jour, j'ai jeté un bout de viande séchée à des animaux et un enfant est sorti de la meute pour l'attraper. Donc ça, c'est le petit hint qu'on a pour récupérer Go. Donc on va acheter de la viande séchée, j'ai pas mal d'argent.
Ah, j'aime pas avoir des chiffres pas ronds, c'est horrible. Comment gaspiller son argent, let's go. Les courants sous-marins puissants parcourent l'abysse du serpent. On a entendu parler, oui. Si vous aviez un scaphandre, vous pourriez atteindre Nikea. Explique, explique. Waouh. Waouh. Quand vous pourrez vous emporter jusqu'à Nikea, dommage qu'on nous ait volé notre scaphandre. Le scaphandre. Le scaphandre nous a été volé. Qui pourrait voler un scaphandre? Toujours des trucs dans les horloges. Vous envoyez des lettres et des colis n'importe où dans le monde. Si vous désiriez envoyer quelque chose, faites-moi signe. D'accord. L'entrée de l'abysse du serpent est située à l'intérieur du monde du croissant au sud du continent. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Non, il n'y a qu'un objet. Ouais, dans Legend of Heroes, forcément, parce qu'il y a des boss, si t'as pas 4 fois l'accessoire, tu meurs. Un peu comme Shinryo dans le 5. Un soldat grièvement blessé est récemment arrivé dans notre village. J'ai pensé ses blessures, mais son état ne s'améliore pas. Il ne s'accroche que pour lire les lettres qu'il reçoit de Maranda. Ah, les femmes. Le pouvoir de sauver un homme de la mort. Je suis un soldat de Maranda, l'Empire a envoyé ma... Ah mais Maranda c'est une ville, putain j'ai cru que c'était une femme. L'Empire a envahi ma ville et m'a forcé à rejoindre l'armée impériale. J'ai refusé de participer à l'assaut contre Doma et j'ai ensuite déserté, mais ils m'ont poursuivi. J'ai failli laisser ma peau, j'en peux plus, je ne peux plus bouger, je ne reverrai plus jamais Lola. Il y a une lettre sur le bureau, pourriez-vous me l'apporter? Ah non, si, il y a une femme, effectivement. Il y a de plus en plus de soldats dans les rues de la ville, mais sinon tout va relativement bien. Les fleurs du jardin vont bientôt éclore. Le printemps approche. J'espère que tu vas un peu mieux. J'aimerais tant pouvoir être à tes côtés. N'en fais pas trop, essaie de te reposer le plus possible et surtout guéris vite. N'oublie pas que je pense à toi tous les jours. J'ai si hâte de te revoir, Lola. Très bien. Il y a une quête secondaire ici, je crois. Mais je vais pas pouvoir m'en rappeler tout seul si je check pas comment ça marche. Est-ce que le son est trop fort? Je ne pense pas, du coup je vais le baisser dans mes oreilles, je commence à avoir une migraine. C'est 10%. Le son il est fort ou pas? Pour vous, par rapport à ma voix. Est-ce que là genre c'est agréable? Parce que moi j'ai envie de péter une durée, j'arrête pas de le monter et le descendre, mais j'ai baissé pour moi du coup et on verra. En tout cas il y a une quête secondaire. Ouais, il y a effectivement une quête secondaire, je sais plus comment faire par contre. Donc je vais regarder comment on fait. Hein. Ouais, il faut parler au pigeonnier pour qu'il demande à Lola d'un truc. Vous voulez envoyer une lettre à Lola pour se soldat blessé? Les frais de port sont de 500, il envoie une lettre. Ok. Et du coup. À faire avancer le temps en parlant à des vendeurs, le jeu va croire que ok. Moi je vais venir ici, il n'y a pas besoin d'acheter quoi que ce soit, aller voir le mec. Donc c'est pour faire avancer le dialogue de la meuf. Faut retourner voir le mec du coup. Ah bah elle est là. Je suis net, pouvez-vous me l'apporter bien sûr? N'arrive pas à trouver ton disque préféré, en l'écoutant, j'aurais pu m'imaginer que tu étais près de moi. Je ferais tout pour Lola, seulement je pouvais lire sortir de ce lit. D'accord. On refait encore. Oh, ça va coûter 2500, faut le faire 5 fois. J'ai fait une fois. Oh là là. Tout ça pour l'amour de Lola. Lola, 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 Lola. La 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 na 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 na. Maman est tombée malade, mais nous ne pouvons pas payer le médecin. Si seulement nous avions une potion. Vous êtes sérieux? Mais une potion, ça se trouve partout.
Ça, par contre, ils abusent, hein. Le lore il est chelou. Hein. Quand quelqu'un te dit seulement nous avions une potion alors que le truc est gratuit, quoi. J'envoie une potion. Je suis en train de caris sa romance au mec. Ouais, moi personne fait ça pour moi. Il y a longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles, je m'inquiète à ton sujet. Bah, c'était sérieux, je viens de t'envoyer une popo et deux lettres. Trois lettres même. À combien de lettres, bordel? Putain, il speedrun plus vite que moi le facteur. J'espère avoir un jour l'occasion de lire le livre dont tu m'as parlé dans ta lettre. Le nom du vent. Faut lire le nom du vent, les gars. Faut lire le nom du vent, super agréable. Les chroniques de tueurs de roi, bien sûr. Le cycle des démons, l'homme rune. Quoi d'autre? Ouais. C'est déjà pas mal, hein. Lisez Berserk aussi. Les The Witcher en livre sont super agréables à lire. Quoi d'autre? Oh, c'est déjà bien. Ah. J'ai entendu dire que vous aviez envoyé à Lola ce dont elle avait besoin en mon nom. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous en prie, acceptez ceci. C'est une clochette. Quoi? Tu veux que je la mette autour de mon cou, connard? Connard. Rien les PV lorsque celui-ci se déplace. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Certains diront que ne servait à rien. Et bon, peu importe. Toutou. Bon, peu importe. Pour un combat, go please. Ah, waouh. Objet. Viande séchée. Un morceau de viande séchée qui remplit un estomac vide. Go super heureux. Qu'est-ce que... Quel étrange garçon. Je m'appelle Cyan. Et voici Sir Sabine. Sabine? Cyan. Go avoir faim. Désolé, non plus rien. Sabine, trouvez nourriture. Espèce de petit gamin là. Sabine, j'allais pas dire je suis là pour un. Peureux. Tu veux te battre? Go, pas vouloir faire mal. Arrête de te moquer de moi, on va voir ça. Ça mais c'est une danse, ça, c'est pas un combat. Pas mal pour un avorton. Hé, go, pas fatigué. Go, trouver ça amusant. Sabine, rapide. T'as en 1.5, c'est encore plus rapide. Go, Bernie Sabine. Assez, c'est bon. Allons, messieurs. Calmez-vous. Qui êtes-vous, mon petit? Beau? Beau. Oh! Beau. Cyan fâché? Cyan? Cyan fâché? Cyan! Cyan! Cyan fâché! Cyan! 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 Reviens ici, gamin. Écoute, sa famille vient tout juste de... mourir et en fait c'est compliqué, alors arrête de faire le gamin, écoute, réponds-lui d'accord. Go comprendre, go désolé. Et vous faites pas de soucis pour moi. Grâce à ressasser des regrets de Menari, hein. Sirgo, je crois que nous allons bien nous entendre. Voulez-vous vous joindre à nous? Oh, go donner cadeau à Sayan et Sabine. Cadeau pour donner nourriture à Go. Quelle sorte de pacotille va-t-il nous offrir? Trésor de Go! Brillant. Quoi? Est-ce qu'il peut bien être aussi brillant?
Vous aimez choses brillantes? Monsieur, vous, c'est lui. Pas moi. Un truc brillant? Locke serait jaloux. Locke? Locke méchant? Locke voit les trésors de Go? Locke, c'est un... Hey! Écoute un peu quand on te parle. Regardez. Je crois qu'il essaye de nous dire quelque chose. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il a... Ici, ici. Trésor brillant. Sabine est à Moblis. Saiyan doit être à l'endroit où Saiyan et Sabine sortirent rivière. Go être au... Mont du Croissant. Mont du Croissant, trésor ici. Eh bien, partons. Nous devrons aller explorer ce Mont du Croissant. Padapa, pa, padapa. Quelle scène. Vous voulez vraiment l'emmener? Eh bien... Ouais, pourquoi pas. Vite, sinon Go et Saiyan partir sans vous. J'avais pourtant expliqué, je ne suis pas monsieur vous. D'accord. Kappa et maintenant, voici votre... Ah mais pourquoi je dis Kappa? Et maintenant voici comment développer les compétences de Go. Choisissez la commande plongeon, uniquement utilisable dans le Velt. Continue à combattre dans le Velt et Go réapparaîtra à l'improviste. Il se souviendra alors des attaques des monstres que vous avez combattus, que vous combattiez lorsqu'il a plongé, ainsi que celles des monstres que vous combattiez lorsqu'il est réapparu. Hein? Hein? Choisissez la commande Frénésie, puis le nom d'un monstre de la liste. Go se déchaînera et utilisera les attaques de l'ennemi choisi. Et maintenant, continuez votre aventure! J'ai rien compris, je comprends jamais les attaques de Go. Je crois que de base il en a déjà pas mal parce que il comptabilise depuis le début du jeu, non? C'est pas un truc comme ça? Soupir d'ange, ragarou, prelon, loup. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Armure Magitech. Askip Jedi est pas vraiment opti sur console, ouais. T'en parles tellement, faudra que je regarde une vidéo quand je finis. De gameplay. C'est quoi, c'est un MMO, c'est un jeu solo, c'est quoi ce Jedi? Cartagra. Est-ce que je le fais plonger maintenant ou ça sert à rien? Un jeu solo, ok, ok. Je sais plus c'est quoi le mieux pour Saiyan. Pour Go. Je vais le garder, je pense. Ah, je vais tester. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Attaque surprise, bah génial hein. La graine, soupir d'ange, loup. Ça fait quoi armure Magitech? Mais c'est sur soi-même qu'il faut faire. Ah ouais quand même, le mec il envoie le laser de... Il sert à rien, mais est-ce que je l'envoie plonger du coup? Parce que je sais qu'il y a un succès où il faut lui faire apprendre toutes les attaques. Donc est-ce que je l'envoie plonger? Comme ça il apprend les attaques de tous les mobs que je fais jusqu'à ce que je revienne dans le Velt, tu vois. C'est ça qu'il faut faire, non? Ou est-ce qu'il faut qu'il soit dans la team? C'est ça que je comprends plus. Non, juste 50 maintenant. Ouais, mais là il en a même pas beaucoup. Mais ouais, mais bref, même pour apprendre 50, faut qu'il soit avec nous ou qu'il soit pas avec nous, c'est ça que je sais pas. C'est comment le mieux? Papa,
Parce qu'ils disent que c'est juste dans le Veldt que ça marche. Il apprend les prédits que des mobs qui sont dans le combat. Ah bon, mais là il a déjà appris des frénésies, il a déjà appris pas mal de frénésies là. C'est ça que je demandais. Puis genre il n'y a pas eu d'attaque d'armure magitech ni de frelon, il n'y a pas eu tout ça dans le truc, ça c'est les mobs. Dans le soupir d'ange, c'était Exocis, c'était dans le train, ça c'était au début du jeu, armure magitech aussi. Non, j'ai fait à la fin, ça a été 8. Ouais, vous savez quoi, on va avancer, j'y réfléchirai plus tard. Mais c'est quoi tous ces mobs? ...25% attaqué, 75% lapidation, 25% attaqué, 75% gravité, mégavolt... Mégavolt. En fait, ça dépend de l'attaque sur laquelle tu tombes, mais ça peut être fort, quoi. Ça peut être fort, comme ça peut être à chier. La grotte du croissant, il y a des trucs ici? 0 coffre, 0 objet. Ok. Go. Sayan, le truc brillant. Dont Go parlait quelque part ici, non? Où se trouve-t-il, Sir Go? Go, pas se souvenir. Fouillons la grotte. Excellente idée. Bon, on va chercher pour toi, Go. Oui. C'est vrai que c'est un jeu avec beaucoup de dialogue. Rien de ce côté. On peut pas sauter. Faut pas creuser dans les trous, là. Une potion. Est-ce que c'est ça le trésor de Sir Go? Je vais chercher son trésor à Sir Go. J'aime bien quand même des petites indications avec le sol un peu d'une couleur différente pour te dire c'est là qu'il faut que tu ailles si tu veux une interaction. Qu'a-t-il Go? As-tu trouvé quelque chose? Mais... Mince, ma bourse, il y avait 500 pièces à l'intérieur. Mais... Quoi, espèce de... Me fait perdre 500 pièces. Allons, allons, Sir Sabine, ne vous énervez pas. Je vais péter les dents. Ta. Sir Go, sale chien. Sir Go, Sir Go... Sir Go va te faire foutre, Sir Go. Ça m'a coûté 500 pièces pour ce dialogue. 500 giles. Serait ce trésor brillant? Mais, trésor, trésor! Mais, c'est une grosse boule de verre creuse. On dirait qu'on peut y insérer la tête. Mais, c'est peut-être... Ça pourrait nous servir. Tu crois que ce truc nous permettrait de respirer sous l'eau, Sayan? Allons-y. Avec un seul scaphandre, bien sûr, les héros se dirigent vers la tranche du serpent. Là où ils vont, bien entendu... Décédé. Car nous n'avons que ça à foutre. Le courant m'a l'air plutôt impétueux. Ouais. Normalement, c'est la seule façon de rejoindre les autres. Mais Sayan, il doit se demander c'est qui ces autres. Go veut pas nous rejoindre. Allons-y. Allez, Go. Allez, Go. Allez, Go. Tu vas voir, c'est trop stylé. C'est en 3D. Ouah. Alors, je me rappelle plus du tout de... Je crois qu'il faut faire gauche-droite. Merde. Il y a une technique pour avoir moins de. Il y a une technique pour faire des trucs. Ça, je peux le dire. Mais. Allez vous rappeler de la technique, quoi. Je lève à 1,5 et. Ah, je suis à des Aura Bolt, hein. Bushido Kiba. Il y a 3 mobs. Je crois que j'ai eu les 2 mobs. Il me faut encore un serpent géant. Ah, mais c'était là, j'ai pas vu. Voilà, il y a gauche, droite. Ouais, je fais droite. C'était une idée de merde. Bah, on va faire plus de combats. Danse du phénix. Taillade rapidement un ennemi. Mais c'est marrant comment ils disent taillade rapidement un ennemi. Et ça fait à où? C'est marrant ça. Parce que tu peux pas cibler. Abyss du serpent rez-de-chaussée. Ah. Yes. Potion X. Oh! Potion X très très utile dans speedrun.
Le pire c'est pas ça, c'est les blues et 777, ouais. On va faire gauche cette fois. Ok, ok. J'aurais dû faire droite pour une autre caverne, je crois. Je me rappelle plus, mec. Ça m'a soigné. Pourquoi est-ce que Jogo est soigné des attaques de foudre? Pourquoi est-ce que Go est soigné des attaques de foudre? What the fuck? J'espère que je vais trouver les cavernes. Les tunnels des cavernes. Merde. En mettant gauche, je suis sorti, j'ai raté un coffre, let's go. Parce que moi je me rappelle trop des tentatives de comment sortir avec les... C'est pas grave, on va vite fait refaire. Je me rappelle trop de comment fuir les combats aléatoires en fait. Ouais. Je me rappelle beaucoup trop de ça. Et je sais que c'est toujours gauche. C'est un peu comme quand je disais qu'il fallait faire gauche dans la séance du radeau. Et en fait, vraiment, ça prend du temps à charger à chaque fois FF6.5 comparé aux autres. Oui, j'ai compris, droite. Oh, Omega Ball, ça fait pas tant de dégâts que ça. Je vais faire juste armure Magitech. Tora. On va faire juste des Kiba, nous. Plus des mecs du Kiba. Donc un seul scaphandre pour 3. Et visiblement ça nous dérange pas du tout. Pas se soigner. MDR. Qui a vidé l'eau du bain? On va aller dans le trou? Père et mère. Nice. Nous sommes à Nikea. Nikea qui commence à se rapprocher. C'est à peu près là où on était au tout début, lorsqu'avec Sabine, on s'est fait jeter du bateau, quoi. Le bateau est en partance pour Figaro Sud. Monter à bord? Non. Pas tout de suite, mon bro. Pas tout de suite, mon bro. On va voir ce qui se passe dans ce bled. FF6 c'est tellement bien. Cher des produits importés. D'accord. Et mon propre magasin, pas mal pour un gamin, non? Vous vendriez. Vous devriez acheter quelque chose pour m'encourager. Lunettes argentées, anneau de fée. Moi je tape un deuxième earrings. Un anneau imprégné de la magie d'une fée. Il protège contre les altérations d'état poison et aveugle. Cap blanche, j'ai déjà. Cap blanche 5000. Hein. Lunettes argentées, des lunettes à la monture argentée. Elle protège contre l'état d'attention aveugle. Non, gamin. Mon père dit que notre ville est isolée du reste du continent et que sans le port, ce ne serait qu'un bled perdu. Dites, c'est quoi un bled au juste? Ah. C'est compliqué. Ta-da-da. Bonjour, madame.
Ah, le sprite des femmes est trop mignon. Vous dites que le royaume de Doma à l'est d'ici a été envahi par l'Empire. Ah, je lui ai donné l'info comme ça. Alors, dans mon chemin, ces rues sont si encombrées qu'on peut à peine circuler. Ça va. Je fais de la pacotille. Je peux vous aider. On va acheter une lance de mitrille, allez. Alors que Mog en a une, hein, et que je vais retrouver Mog dans pas longtemps, donc c'est un peu bête, mais bon. J'aime bien comment les vendeurs sont dans le marché à l'extérieur, c'est un peu stylé. Optimum, optimum, optimum. C'est vrai que j'ai même pas mis de truc sur Go, et après je m'étonne qu'il fait pas de dégâts. Donc le devisé. Cape blanche, allez. Vous aider. Ça coûte combien d'acheter 1 milliard de popo? Ça coûte tellement cher. Ah, les fumigènes, c'est pour fuir des combats. Je vais en prendre un. Ça, j'en ai un dans l'inventaire. À quoi ça sert de vivre ici? Y'a quoi à Ikea déjà? Un objet. Et on peut prendre un chocobo. Jusque là c'est fine. L'auberge. 150 G le salaud. Et les horloges comme d'hab, élixir. Pas juste tendance de mettre des élixirs dans les auberges. Dans les horloges je veux dire. Un glissement de terrain a bloqué la route au nord qui suit la côte. Très bien. Là on se barre. Merde, je me suis barré. Ouais, je me suis barré encore. Mais je crois qu'il n'y a plus rien d'autre à un truc. Hein. Ok. Bah quoi du coup? Je veux pas à Figaro, je veux à Anarche du coup. Hein? Et le PNJ il est où? Ah, il est là. Bon, allons-y à pied. Je sais pas si je prends le bateau, mais bon. On va voir un peu ce qui se passe dans la nature là. Ah, mais je peux pas, je dois prendre le bateau. Okay. Je peux pas, en fait, y a pas de pont. Je me suis dit, je vais marcher au lieu de prendre le bateau, mais c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, on peut pas. Donc, let's go. Barre-toi, gamine! Gamine ou gamin, peu importe. Mais barre-toi! Oh! Vraiment. Putain, si tu fais un speedrun et que t'es bloqué comme ça, t'as envie de tout péter. Après, j'aurais pu le contourner, mais bon. Y'a rien sur ton bateau? Ok. Je veux bien y aller. Figaro, 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 hi. Alors j'étais plus très loin. J'espère que les autres sont arrivés sains et saufs. J'en suis certain. Ah, je choisissais un scénario coupeau. Ah, mais en fait on a encore le temps de faire un scénario. La vidéo fait que 40 minutes là. Ou alors je m'arrête là et on fait les scénarios la prochaine fois. Je pense que je vais plutôt faire le second. Hein, on va s'arrêter là. Et la prochaine fois, on fera tous les scénarios, puis on continuera. C'est pas plus mal que je m'arrête un peu plus tôt aujourd'hui. J'ai peut-être lancé tard, j'avais dit qu'on aurait que 2 heures, là ça fait déjà 2h20. Mais oui. C'est un Sabine très long, hein, mais ça veut dire que les prochains, vous savez très bien qu'ils seront courts et qu'ensuite on pourra continuer le gros de l'histoire. Je sais pas si ça vous a plu, mais toute la phase de l'Empire avec Kefka, Doma, les musiques, quel bonheur. Des bisous la VOD, des bisous.